cette vidéo, je vous propose un exercice qui va vous permettre de développer votre perception de l'énergie dans vos mains et ensuite de vous faire un soin à vous-même. Premier temps, je vous invite à prendre une posture, assis sur une chaise, les pieds bien au sol, vous êtes bien calé au niveau du dossier et vous mettez simplement les mains sur les cuisses, paumes vers la terre. On détend bien les épaules, on ajuste le placement de la tête en rentrant très légèrement le menton, comme si on suspendait la tête au ciel. On prend conscience de la colonne vertébrale, on laisse les yeux se fermer tranquillement et on prend conscience de la respiration. Je vous invite maintenant à faire trois respirations profondes. À l'inspiration, vous gonflez le ventre, puis vous gonflez les poumons jusqu'au niveau des épaules et sur l'expiration, vous soufflez lentement par la bouche. L'air se vide totalement et vous recommencez un second cycle à votre rythme avec une intention de vous remplir de positif et d'éliminer toute tension physique, psychologique qui peut vous habiter. Même chose sur une troisième expiration. Ensuite, conscience de votre colonne vertébrale, du sommet de la tête. Vous concentrez sur ce sommet de la tête, sur votre chakra coronal. Et vous visualisez un soleil, une étoile. Une belle sphère de lumière à partir de laquelle un rayon de lumière va descendre dans votre chakra coronal, puis pénétrer votre crâne, illuminer votre tête, descendre le long des chakras, le long de la colonne vertébrale, jusqu'au niveau du coccyx, de la zone du périnée, et vous prolongez ce trajet mentalement en vous connectant à la terre. Vous sentez votre lien à la terre, le poids de votre bassin, les racines qui poussent sous vos pieds. Vous vous sentez connecté à la fois au ciel, sommet de la tête, et ancré à la terre. Et vous laissez un léger sourire apparaître sur votre visage, qui manifeste la joie d'être simplement ici et maintenant, dans la présence à vous-même et à l'énergie. Puis je vous invite à retourner doucement les mains, paumes vers le ciel. Elles sont toujours en appui sur vos cuisses. On garde la présence globale de l'énergie dans le corps, d'être entre ciel et terre avec le sourire intérieur. Et en même temps, on va se concentrer sur les cinq doigts de la main droite, les cinq extrémités, et visualiser cinq soleils, cinq flammes qui vitalisent, qui réveillent l'énergie
au niveau de ses extrémités. Puis mentalement, vous allez conduire ces cinq soleils le long des cinq autoroutes, des cinq doigts, qui convergent vers la paume de la main droite. En convergeant, ces énergies se rassemblent, fusionnent et activent le chakra de la main droite, créent un grand soleil. Et puis mentalement, faites monter cette énergie, cette sensation particulière au niveau du poignet, de l'avant-bras, jusqu'au niveau du coude, du bras jusqu'au niveau de l'épaule. Puis on revient aux extrémités, on revisualise les soleils, les flammes, on conduit cette sensation de réveil, d'énergie dans les doigts jusqu'au niveau de la paume de la main. Elle monte ensuite le long du bras et de l'épaule. On va faire le lien avec le chakra du cœur au milieu de la poitrine. On peut comparer les sensations du bras droit avec le bras gauche, de la main droite avec la main gauche. On a toujours conscience d'être bien aligné entre ciel et terre avec le sourire intérieur. Puis concentration sur les extrémités de la main gauche. On visualise les cinq soleils, les cinq flammes. On sent cette présence se réveiller au niveau des extrémités et on conduit cette sensation le long des cinq doigts, les cinq autoroutes qui vont converger vers le chakra de la main gauche, au niveau de la main, fusion des énergies, réveil de la paume de la main. Puis on monte mentalement la sensation au niveau du poignet, de l'avant-bras jusqu'au niveau du coude. Au niveau du bras jusqu'au niveau de l'épaule. De nouveau, on se concentre, on visualise les soleils, les flammes, cinq extrémités de la main gauche. On vitalise les doigts, le chakra de la main gauche. On sent, on conduit mentalement l'énergie le long du bras, elle monte jusqu'à l'épaule. Et de l'épaule, on fait le lien avec le chakra du cœur. On perçoit donc le chakra du cœur, les deux chakras au niveau des mains et les 10 extrémités au niveau des doigts. C'est un système énergétique qui est relié
à la verticalité entre ciel et terre. Le cœur est au carrefour et cette ouverture du cœur se manifeste par ce sourire intérieur. Gardant cette conscience, cette présence, on va légèrement soulever les mains, puis les orienter afin que les paumes se regardent, et les rapprocher, comme si on tenait une petite balle. Les épaules sont bien relâchées, les coudes sont légèrement décollés des flancs. Remets la conscience au niveau de la paume des mains, des doigts, et on perçoit une sensation très subtile, une présence de l'énergie. Et on va jouer avec cette énergie. On va légèrement la compresser en rapprochant les mains 2-3 cm. On va écarter nos mains, on va dilater l'énergie et on va percevoir que dans ce léger mouvement, il y a une forme de résistance qui s'installe. Quand on rapproche les mains, on perçoit une résistance. On perçoit la réalité d'un fluide subtil que l'on compresse. Quand nous écartons les mains, on perçoit également une forme de résistance, comme ce fluide élastique avait du mal à s'étirer. Ce petit mouvement nous permet donc de mieux percevoir cette boule d'énergie que l'on a créée dans nos mains. Nous jouons avec. Vous pouvez avoir les sensations de chaleur ou de fraîcheur, de picotement, de sensations électriques, de courant d'air. L'important est de focaliser votre cerveau sur cette sensation particulière qui vous correspond au niveau du ressenti de l'énergie. C'est très subtil, mais c'est réel, c'est présent. Pensez à bien respirer au niveau du ventre. Parfois, la concentration coupe un peu la respiration. On reste donc détendu entre ciel et terre avec le sourire intérieur et on joue avec cette énergie. Maintenant que le système énergétique est en place, éveillé, je vous invite à visualiser toute l'énergie que contient l'univers dans votre environnement et votre capacité à puiser dans cette énergie, à ce que cette énergie pénètre par votre chakra coronal, descende dans votre cœur. Votre cœur distribue à vos bras, à vos mains, et donc cette énergie s'accumule. La boule devient plus puissante, plus remplie d'énergie. Du ciel, l'énergie pénètre. Votre système par le centre coronal descend au niveau cardiaque,
au niveau des mains, et viens alimenter la boule d'énergie. Cette énergie maintenant, vous pouvez l'apporter là où votre corps en a besoin, que ce soit sur un chakra, une articulation, un organe. Laissez spontanément vos mains se placer là où c'est nécessaire pour vous. Que les mains soient l'une sur l'autre ou l'une à côté de l'autre. Laissez vos mains se diriger naturellement là où il y a un besoin. Restez ensuite conscient du processus énergétique. Vous captez l'énergie dans votre environnement par le chakra coronal. Elle descend le long de la colonne vertébrale jusqu'au chakra du cœur. Elle est distribuée dans les bras jusqu'au niveau des mains. Et des mains, elle est transmise à votre corps énergétique et votre corps physique. Gardez également le sourire intérieur, la joie d'être dans l'instant présent et la conscience de l'énergie, de l'harmonie globale. Envoyez cette lumière à votre corps, profitez-en pour le remercier de son travail à chaque instant. Pensez à toutes les fonctions que votre corps accomplit pour entretenir la vie. Prenez le temps d'être en connexion avec lui et de le remercier. Quand vous percevrez que la dose d'énergie est suffisante par rapport à ce qui est nécessaire, vous pourrez tranquillement sortir de la pratique en remettant vos mains paumes vers la terre au niveau des cuisses et en faisant quelques respirations profondes en insistant sur l'inspiration. Quand vous en aurez envie, je vous inviterai à ouvrir les yeux. Voilà, pour cette pratique, je vous souhaite de la mettre en œuvre à chaque fois que vous en avez besoin et de percevoir sur tous les moments où il est opportun de pratiquer cette technique.